Coucou à tous, alors ça y est, Vincent Lambert nous a quittés, alors attention, loin de moi l'idée de polémiquer, c'est une histoire de famille et surtout... Cela ne nous regarde pas. Mais je trouve quand même qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Sa famille, ses parents voulaient maintenir les soins, sa femme voulait les arrêter, apparemment Vincent voulait faire comme sa femme, du coup les médecins ne savaient plus quoi faire et du coup on a tous vu passer ça. Et je coupe les soins, et je remets les soins, et je coupe les soins. Et je remets les soins. Et je coupe les soins. Attention, signez là, vous êtes sûr? On remet, hein? Et je remets les soins. Et du coup, si tu imagines sa femme en chanson, ça pourrait donner ça. Débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Il est un peu trop mou. Et à ce moment-là, on s'est tous posé la question, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Alors, je me suis dit, tiens, si je faisais une réponse, et c'est vrai que je n'ai jamais fait une vidéo de ce style, c'est pour ça que je la fais, de toute façon, quand c'est interdit, je le fais. Hein. Et une pensée affectueuse à toute la famille de Vincent Lambert et les autres personnes qui vivent la même chose dont les médias ne parlent pas. Bisous à tous. On me fait tenir un peu, faites-le tenir encore, je ne suis plus heureux. Si tout en moi est mort, je voudrais respirer, oublier ma douleur et celle des êtres aimés qui vivent dans le malheur. Faudrait n'avoir pas le choix de quitter cette terre. Mon corps n'est pas à toi, je veux juste qu'on m'enterre. Il faudrait qu'on reste silencieux et sans vie, sans espoir et sans geste pour qui? Mais que Dieu me pardonne, coupé dans ce machin. Oui, la mort fine est bonne, mais ça sert plus à rien. Mais que Dieu me pardonne, qu'on libère les médecins. Qu'en fait il m'abandonne et s'occupe des gamins. Faut comprendre ma famille, mais mets-toi à ma place. Si je veux plus revenir, il faut que je trépasse. Je sais, on va dire, il le méritait pas. Y en a des bien pires qui méritent plus que moi. Ceux qui font des attentats, ceux qui violent les enfants, ceux qui roulent toujours au pas, qui mettent pas le clignotant, ceux qui laissent au frigo une bouteille vide, ceux qui ont des Twingo, qui prennent de place libre, ceux qui vont au WC et qui pissent à côté, et tous les SAV qui te raccrochent au nez, et celles qui te chauffent dans une belle soirée, qui partent avec un homme pour se faire ouais. Que les gens me pardonnent, mais j'en avais besoin. Mon avis je le donne et je comprends le tien. Mais que Dieu me pardonne, mais quand je pense au mien, qu'on rejoigne la Madone, j'espère juste qu'ils vont bien. Et si cette vidéo t'a fait rire ou t'a ému, n'hésite pas à la partager. Tu peux aussi connaître toutes mes dates sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snap, c'est le truc jaune. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, prochainement sur Avignon pour le concert et pour le One Man. Je serai aussi aux Carrières de Rognes. Je compte sur toi, bisous à tous. Et comme tu vois, on n'a qu'une vie, alors va au bout de tes rêves.